Hola tous et bon comeback sur Postal 2. Alors, je vous cache pas que le jeu a l'air encore plus pirate que le 1, donc là je vais lancer le new game, on va bien voir. Il est possible que pendant quelques secondes ça enregistre pas, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire des allers-retours, mais je crains qu'il y ait beaucoup de bugs par rapport à ça. Donc Monday. Donc déjà ça enregistre pas. Quatre téléphones spécifiques. Ok, là ça enregistre parfait. Unfortunately for them, their triumph will be short-lived. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! What the? Champ a sauté! Ça, c'est un truc très bizarre, hein. Les chats, ils ont vraiment une haine. Speeding down the way from whence he came. The ever-expanding mushroom cloud looming over the horizon only grows larger as he nears. However, it's not the imminent radioactive fallout that proves to be the greatest danger. Ah, this damn head wound. Crap. Not now. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Accident de voiture? Trapped in the inky blackness of his mind, the dude suffers terrifying, frightful images of a future gone wrong. Ok, donc apparemment, on va rester dans le même monde. Ce qui est intéressant, c'est ce que je voulais faire parce que. Bah en un sens, il y avait plein d'endroits que j'avais pas visités, mais est-ce que du coup tout n'est pas changé? D'ailleurs, je commence à m'inquiéter sur les graphismes. He awakens with a shock. It was all just a horrible nightmare. Or was it? A concerned good Samaritan stands idly by. Are you all right? It's this damn bullet lodged in my brain from when my hateful ex-wife drove me to shoot myself. J'avoue. But I think I'm just fine now. What the hell was that? Mysterious voice changing aside, the postal dude learns he has miraculously recovered from an 11-year radiation-induced coma. He now stands at the outskirts of an unfamiliar town. If he wishes to find his lost dog, Champ, he'll have to begin his search there. The Good Samaritan offers one final piece of assistance. Take this map fragment to guide you as you begin your journey. It looks like you have an interesting day ahead of you, so I'll leave you to your own devices. Good luck. Armed with nothing but a tattered map piece and a box of matches, our intrepid hero takes the first tentative steps into the unknown town. Yet strangely, one that seems somewhat familiar. Guess it's back to the old grind. Et tout ça pour son chien, alors que justement, j'ai envie de dire, j'ai fait tout le premier jeu. Sans savoir que je pouvais nourrir le chien, et il avait l'air hyper balèze, j'avoue. Rétroactivement, j'aurais dû m'en servir un petit peu plus. Mais bon, parfois il y a des choses comme ça se devine pas. Et puis il y a des trucs parfois qu'on découvre selon comment fait le jeu. Par exemple, pour tous ceux qui connaissent Skyrim, n'hésitez pas à aller voir un peu ce que c'est, à vous le faire. C'est un jeu extrêmement long, c'est pour ça que moi je le ferai peut-être pas sur YouTube. Il y a Bob Lennon qui l'avait fait plus ou moins tout le run. Mais par exemple, en fait, la base du jeu, c'est le Fusroda. C'est un cri qui éloigne les ennemis ou qui attire les ennemis. Enfin, c'est une sorte. Enfin, c'est son attaque principale. Mais moi, j'ai commencé le jeu par les quêtes annexes. Donc, en fait, j'ai appris le sort de base après au moins 50, voire 60 heures de jeu. Maybe Champ ended up at a local animal control center. Wouldn't be the first time. Let's see. Guess I need to go here for Check that. Animal Control? Ça, je sais pas ce que. It, I might as Pas well mal. get a bite to eat. Ah, il You sait work up peut-être. an appetite Comment after s'appelle all these merde. years. Pas la fourrière. Comment ils Got appellent the ça déjà hot, pour. Asian in town. I hope they didn't make Pour a les hot dog animaux, at Champ. les services des animaux, je sais plus. Eh ben tant pis. Ouais. Je tends une oreille parce que j'ai fermé la fenêtre pour pas que on entende des tondeuses, mais j'ai les chiens dehors. Donc oui, continue, continue. Donc il y a toujours l'autosave, ça c'est très bien. Ok.
Oh, la sensibilité, elle est un peu... On va changer un petit peu ça quand même. Mais donc pour ceux qui ont fait le jeu, effectivement, donc qui se rappelleront du cri qui était le Fus Roda, et ben moi j'ai fait plus du trois quarts du jeu avec juste Fus. Et en gros, ça envoyait pas du tout les gens au loin comme le sort fait. J'ai plus le merde. Comment s'appelle le patch? Donc merde, comment on voit déjà? C'est dans les contrôles, je suis pas fou. Peut-être dans le game? Sensibility, il n'y a pas sensibility? Bah merde alors. Contrôle. On va peut-être voir dans les mouvements, ça a pas l'air d'être là. Dans les actions, ça a pas l'air d'être là. Ouais, on s'en fout. C'est quoi ça, miscellanéous? Je sais pas. Ok, menu navigation. En plus, ils me mettent tout par rapport. Ça doit être ça. Mouvement. Hein? Waouh. MPUT config. Ah, voilà. S'il vous plaît. En plus, je pensais que c'était sensibilité, pas sensitivity. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas de la vie. De toute façon, on a déjà vu dans le premier que, au dire ce qui est leur anglais, il est pas trop poussé. Donc, tiens, on va quitter ça. F5, donc sauvegarde rapide, ça marche toujours, ça, il n'y a pas de souci. Ah, même là, j'avoue, c'est encore bien sensible. Et désolé, hein, je fais vraiment les tests face à vous. Mais quand on arrive à voir l'enregistrement du coup, j'ai oublié c'était où? Contrôle. Une pute, c'est ça. Hein? Il y a un pute. Je veux un pute. Voilà. Voilà, et comme ça au moins je peux changer par rapport à ma souris. Qui elle n'est pas miséreuse. Et dernier truc, voilà, dernière vérification. Regardons là. Voilà, la performance du PC. Nanana, ça enregistre bien. Tout est bien parti. On peut enfin jouer! Et là, je vais remettre en grand et ça va rebugger. Donc oui, j'étais venu dans cette gare et tout. D'ailleurs, j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Bon, je m'en fous. De toute façon, pour l'instant, on va demander aux gens. Ils ont pas l'air agressifs. Say, I think I remember one of those places as the Caucasian last place I lived. relocated. It must be a franchise. Ok. De toute façon, moi je cherche mon chien, je l'annonce déjà. Au pire, s'il y a quelqu'un qui m'emmerde, j'ai de l'essence. Donc à partir de là, je peux déjà tuer des gens. Bonjour! Bonjour, Excuse monsieur. me, have you seen this lost dog? Shit! Strange. Maybe someone else can clue me in. Bah ouais, j'avoue, t'as l'air d'être plutôt quelqu'un qui a été traumatisé par le. Oh! Non, les minous! Un taser? Oh, ça, j'avais jamais vu le tas. Oh, il y a des nouvelles armes, ça tombe. Après, j'en parlais avec une amie qui a un énorme chien aussi. Le coup de. Bah, va expliquer parfois aux gens si tu l'as pas muselé ou quoi que ce soit. Non, il est pas méchant. Il fait juste 2 mètres de long. Il fait 60 kilos, mais il est pas méchant. Non, et puis il faut toujours faire attention, faut dire ce qui est, parce qu'un chien. Bah. T'as perdu ton 5 à main, je l'ai récupéré, qu'est-ce qui s'est passé? Merde! Oh putain, ça y va dès le début, des grenades, ok. On va bien visiter, c'est moi qui vous le dis. On peut pas prendre l'échelle. Bah, je me doute pas prendre. Enfin, je pensais prendre, embarquer plus loin, quoi. D'ailleurs, pourquoi il me demande de manger? Parce que j'ai une de mes missions, c'est manger, mais je regarde ma vie, en fait, même si je trouve de la bouffe à droite, à gauche, je pourrais pas la manger. Donc non, je ne passe pas par là, je vais essayer de bien faire le tour, hein, de bien faire le jeu, je le fais qu'une fois, pas deux. J'étais allé au bout. Non, mais ça mène nulle part, ça emmène là où j'étais, ok. Mais pareil, c'est con à dire. Mais la plupart des chiens, moi, j'ai un, on va dire un semi-gros chien. Bah, un peu comme le chien du dude. C'est. Comment dire même carrure, mais avec plus une tête de boxer. Et le problème, c'est que même si elle est adorable,
Oui, parce que c'est une chienne. Mon chien est une chienne. Mais le truc, c'est que par exemple, si même si elle a jamais mordu ou quoi que ce soit, si tu te mets à courir à côté d'elle, bah je cherche mon chien. Mais pourquoi vous avez tous peur de moi? Vous savez pas que c'est moi qui avait qui a envoyé la bombe nucléaire? Pourquoi vous êtes stressé? Oh, ce gun, je le veux. Je l'avais pas ce gun. Un revolver. C'est un jeu pour le chien, ça? Pourquoi le chien a plein d'objets sexuels? Mais justement, en fait, les gens qui parfois vont se mettre à courir, mais au lieu que le chien les rattrape et s'arrête à côté d'eux, bah ils vont se mettre à courir aussi, les chiens. Donc parfois, vous voyez l'effet domino, le gars en panique qui essaye de s'en sortir, mais en gros, il attire la merde. Mais bon, après, je peux comprendre aussi que certains chiens sont impressionnants, surtout quand on les connaît pas. Je sais que nous, on en avait récupéré à la SPA. Hein? Quoi? Spice, Tap, CTRLC? Duck Jump? Ah, je peux enfin toc-toc, non? Non, je peux pas faire des... Oh. Ah si, si. Oh, ok. Bon, c'est mal calculé, ça se voit, hein, mais... Et on peut le faire, du coup. Mais effectivement, j'avais eu un chien aussi qui était un peu apeuré à l'époque, parce que, voilà, récupéré à la SPA, nanani, nanana, hein, c'est la vie. Et en gros, c'était un Basset-Hound. Donc, pour ceux qui voient pas ce qu'est un Basset-Hound, c'est un TLZ. Le chien saucisse sur pattes, mais assez gros quand même, quoi. Et parfois, on se doute pas, mais vous allez voir les... Comment dire les dents d'un TLZ, je peux vous dire, c'est impressionnant. Et c'est souvent des chiens qui ont une grosse voix bien impressionnante, des trucs comme ça. Donc, vu qu'elle venait de la SPA, elle était un peu craintive et tout, jamais elle nous a mordu. Mais... Parfois, quand elle avait un peu peur, elle était du genre à aller se foutre sous l'escalier, pas en boule, mais vraiment dans un coin, et grogner, aboyer, mais de façon vraiment méchante. Hein. On sentait que le truc, tu sais pas ce que ça allait faire, mais tu savais que ça pouvait très mal se terminer, quoi. Et du coup, bah, nous, après quelques années, on en a eu un peu marre, parce qu'il y avait aussi le fait bah, qu'on lui avait jamais fait de mal, ok, elle avait eu un mauvais passé et tout, mais à un moment, ça fait quand même un certain temps. Le chien doit s'habituer à toi, quoi, quand même, à un moment. Ouais, 5. Et à un moment, c'était mon père qui s'était énervé. Et à un moment, il s'est dit, bah vas-y, je vais prendre mon poing, je vais pas la cogner, mais je vais lui coller dans la gueule. En mode, vas-y, croque déjà pour resserrer sur sa mâchoire sur un poing. Faut à la fois une sacrée force et une sacrée amplitude. Et en gros, tout de suite, on a remarqué, elle a pas osé mordre en fait. Mais c'était vraiment en mode ça mord dans le vide, mais à quelques centimètres de ta main, tu te disais si elle arrive à te choper ou quoi que ce soit, tu peux perdre des doigts, mais clairement. Mais finalement, c'était plus un réflexe de défense ou quoi que ce soit. Jamais elle s'était montrée agressive ou quoi. Oh putain, qu'est-ce que tu sors, toi? Qu'est-ce que tu sors? Oh là là, ça sort un flingue. Commencez pas comme ça, monsieur. Je sais que mon chien est effrayant, mais... J'avoue, surtout qu'en plus, toi, t'es armé à la base. Donc avant, c'est des nouveaux là-haut? C'est quoi? C'est des nazis maintenant? C'est quoi? Ah, ce chemin n'était pas ouvert, il me semble. Ah, mais ça va partir dans les lois des trucs comme ça. Ah ouais, faut pas que... Je vais bien visiter le jeu, mais je vais éviter de trop me répartir aussi. Sinon, ça va être une merdasse. Vous avez pas vu Mirza? La. Allez, juste pour voir les quelques mètres, c'est au magasin, c'est où? Ok. La carte, c'est toujours les mêmes touches, ouais. C'est toujours les mêmes touches. Bah ouais, mais... En fait, pourquoi je demande aux gens, et de toute façon, le mal, merde, c'était bien par là.
Bon, à mon avis, il vaut mieux que je passe par là. Parce qu'à tous les coups, je leur demande à propos de mon chien, mais si je dois aller voir au truc des services. Comment on appelle déjà? C'est la fourrière? C'est pas la SPA? C'est les mecs qui viennent récupérer les animaux. La SPA, c'est un refuge. C'est. Je sais plus. Mademoiselle, mademoiselle, vous avez Hey, pas l'air meet Lucas. stupide. Have you seen this dog before? Mais tout le I monde le think prend I'm comme une beginning to sense malédiction. a pattern. You there? What do you think about the dog in this photo? It's horrible. Yeah, that's what I thought would happen. En tout cas, c'est une solution pour avoir des balles, pour avoir des guns. Hey, before you Mais ils freak sont out and très croyants. tear, can you tell Dios me mio. anything you know about this? Shit! And yet another reaction of pure terror. Better keep checking around. Hey, fuckhead, are you just gonna run around screaming if I show you this picture? What a Ah, surprise. même les têtes de nœuds. You better tell me right now what you know Pourquoi about toi t'es this plus dog, petit que or I'll les follow autres? you home and kill your dog. You should go speak to the wise man. He knows all around these parts. Hein? Well, wasn't that enlightening? Guess I better go see this wise man. I bet he knows something useful. Now, where is that? That looks like the place. J'espère que Wiseman, ça veut pas dire empailleur ou un truc comme ça. Parce que s'il est chez l'empailleur, ça va mal se passer. Attention. Mais du coup, il y a des échelles et tout. Alors oui, si vous voyez cette vidéo, allez au moins voir Portal 2 avant. D'ailleurs, je vais peut-être tout mettre dans la même playlist. Je sais pas si... Ou je crée une autre playlist. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est la suite, mais c'est à la fois un autre jeu qui est intégré dans le jeu. C'est chelou. Bon, il y a des nouveaux chats, c'était pas les mêmes races. D'ailleurs, ça donne quoi Le pompe et tout, ils avaient l'air modifiés. Ah, ils ont refait les scripts et tout, hein, ça a été retravaillé, c'est beau gosse. C'est quoi ça, grenade? Il y a des grenades flash maintenant, ok. Avant d'y aller, avant d'y aller, c'est bien la bonne route. On passe par le mal avant. Allez, on passe par le mal avant. Contrôle de centre-pète, je sais pas quoi, des animaux. Non, mais faut dire ce qui est, franchement. Bon, après, j'irai toujours quand vous voulez des chiens ou quoi que ce soit. Il vaut quand même mieux avoir un jardin. Faut se dire que parfois, il y en a qui ont des problèmes de santé, que ça peut vous coûter hyper cher. Mais qu'est-ce que c'est génial! Et comme je dis toujours aussi, plus ils sont gros, plus ils sont gentils, généralement. Ils sont gentils et affectueux. Qu'est-ce que... C'est une maison de fou! Les tests sur la... Drive me banana? Hein? Ok. Saino 3, tête de mode de singe, je sais pas ce que c'est. Primates My mates sont mes potes, je sais pas. Ok. Je présume que c'est vous que je vais venir voir? Mais du coup, un jour, je relancerai peut-être le 1. Yeah, I'm searching for a herd of ostriches. Been missing for about 17 years. No, that's not it. I've been searching for my lost dog. You should check the kennels in the back. It's just around the corner past the elephant cage. Thanks. J'avoue, simple, efficace. Si j'ai le droit d'aller voir, je vais... Oh putain! Ok, vous avez retrouvé des éléphants paumés! Oh my god! Mais c'est marrant, on est exactement sur le même jeu parce que c'est une sorte d'add-on. En gros, vous lancez l'autre jeu, enfin l'ancien jeu pour jouer à celui-là. Mais on dirait vraiment qu'il y a eu une refonte graphique, un retravail là-dessus. Oh, c'est toi mon toto! J'ai cru voir mon toto, ça a l'air d'être toi, alors toi. Se préparer pour l'entraînement. Non, mais c'est toi mon toto. Quoi, un, il est sale, c'est pas lui? J'ai des croquettes. Non, je vais... Si c'est pas lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'as vomi? T'as un bout de bois qui sort de la gorge? Nope, not
him. J'avoue, faut avoir l'œil pour les reconnaître là. Hein. Les chiens SM de la fin du jeu. Non mais là vous êtes des gars, ça se voit bien que vous foutez de la merde partout et que vous faites en sorte que les chiens soient recouverts de merde. On va voir, vas-y, toc, je peux pas rentrer ici. Employee only, ok, il va falloir que je vole un équipement, je sais pas. Moi. Ça, il y a quelque chose derrière, c'est pas normal ça, non? Oh, des ciseaux! L'arme contre les chats! De toute façon, les chats, ça sert à rien, ça pue du cul. Ça pisse et ça chie dans le sable. Et le tout dans la maison! Ah. Y'a pas de touche, je suis pas fou. Quoi, employé un lit? Moi, je veux y aller. Tension, il va se passer quelque chose. Comment je fais? Je peux pas le péter. J'ai dû rater quelque chose, mais on va dire, avant de repartir de cette pièce, y'a pas d'uniforme ou de quelque chose, n'importe quoi ici, j'ai pas raté ça. Là, dans les caisses, y'a rien à prendre, y'a rien à prendre, bah non. Je ne suis pas fou! Ah ouais! Il va même pas voir plus loin dans les bureaux. Ah. Ils vont péter un câble encore. Ah oui, Hogan, carrément. Wow. Bah d'un côté, tu me diras, ça doit être plus sécuritaire de faire ça, Hogan. Eh, fais-toi chier dessus, j'en étais sûr. Ah, mais non. Et ça doit être plus sécuritaire de faire ça au gun que de faire ça à la main, quoi, faut dire ce qu'il y a. Non, on va essayer de retrouver mon chien quand même avant de quitter la vidéo. L'introduction a duré bien longtemps, c'est pour ça, à mon avis, que... Mais ça n'a pas déverrouillé cette porte-là. Ok. Bah tiens, avant qu'il m'arrive quelque chose, on va prendre ça au cas où... Je peux plus prendre la photo. Vous êtes gentil, hein, on est d'accord. D'ailleurs, il y a quoi en fait ici? Ah, ok. Mais pourquoi vous avez tous peur de moi? Oh, il y a un snipe ici, je veux le snipe. Il n'y a pas moyen de... Un mur, non? Et même le snipe, il refait, oui! Ah! Oh si, je peux le faire! Ah! Les gens qui pètent un câble, allez F5 si au cas où c'est plusieurs chemins que j'ai pas envie de revenir. Le fusil a l'air d'être là-bas, on va d'abord voir pour le fusil. Le pire c'est que j'ai les mains, j'ai rien dans les mains. Les mecs ils sont juste dans un centre d'animaux, je suis juste un civil. Je suis même pas armé. Bon, je veux bien croire que dans cette ville, tout le monde croit que le Postal Duel est un psycho, mais... Merde! En fait, je me suis fait chier, mais j'aurais pas pu péter juste... Non, j'ai pas d'arme corps à corps. Non, tant pis. J'aurais bien aimé juste péter la fenêtre plutôt que m'emmerder à... Oh là là! Appelez-moi Rick Grimes. Bah après, c'est pas une question de stress, de perdre les sauvegardes ou quoi que ce soit. C'est parce que tu peux me reprocher de sauvegarder tout le temps. Au moins, j'aurais pu faire ces 10 mètres. Bon, allez, on la joue sur un point, ça, on garde les flingues rangées. Oh, il fait à peine un repas, ce requin. Oh, j'ai entendu des bruits. C'est le requin qui a aboyé. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il y a pas longtemps, je suis allé voir mon grand-père, je suis allé le visiter parce que voilà, il a eu une petite opération à la con.
Mais en gros, il se fait un peu chier à l'hôpital en ce moment. Et il me parlait des trucs un peu à l'époque. On parlait un peu, comment dire, la torture des animaux, nanana, comment était cuisiné un homard jeté dans l'eau. Et il m'a dit à un moment, c'était. Merde, c'était où? À chaque fois, j'oublie, putain, les noms. Oh! Ça commence à tirer, ça commence à tirer. Comment ça s'appelle? Non, je retrouverai pas l'île. Je vais pas faire le malin, je vais pas retrouver. Mais en gros, les mecs qui s'amusaient à prendre des singes, à leur brûler avec leur cigarette la tête pour que le sang monte bien au cerveau. Et à partir de là, ils mettaient un grand coup de sabre sur le crâne. Donc justement, pour leur ouvrir le crâne comme ça et que ce soit bien ensanglanté, ils le bouffaient comme ça. C'est vraiment, c'est chaud se dire, il y a des moments... What, comment avoir l'idée, tiens, je... Bon, après, manger de la cervelle de singe, je dis pas. Mais le manger pendant qu'il est encore vivant. Limite, je trouve ça moins bizarre les gens qui ont essayé une fois par curiosité d'enlever une carapace à une tortue. Alors que c'est une connerie, hein, ça les tue, ne faites jamais ça. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Mais voilà, la carapace d'une tortue, c'est sa peau. Donc si vous lui retirez la carapace, vous tombez directement sur ses organes internes, quoi. Il n'y a pas une peau entre deux. Parce que, après, je dis pas, hein, manger du singe, manger de la cervelle de singe. Oui, mais tu manges pas ça sur un truc vivant. Bah après, quand on regarde chez les Asiatiques, je veux pas dire les Chinois ou les Japonais, j'en sais rien de toute façon. Mais quand tu vois que certains. Comment ça s'appelle? Merde, merde. Bouffent des crevettes vivantes ou des poulpes vivants. En soi, bouffer des insectes, des poules, tout ça me choque pas. Hein. Mais juste pourquoi le bouffer vivant? Après, je dis ça, j'ai jamais goûté non plus. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment des trucs. C'est comme on en parlait avant, le caviar s'était donné aux cochons, le homard s'était donné aux prisonniers parce qu'ils savaient pas le cuisiner. Et c'était dégueulasse. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le jettent directement dans l'eau bouillante. Mais... Que voulez-vous? Que voulez-vous? Enfin, il y a quand même une logique derrière, normalement. Je m'en libère, hein. Et ça fait quoi alors si je libère? Il tire sur les gens? Oh putain, je sens que je vais en libérer plein, je vais faire un carnage. Je reviens en arrière. Vous êtes mes amis dorénavant. Sauvez-vous. Est-ce que tu m'attaques si je te libère? Tu m'attaques ou tu m'attaques pas, non? Oh! Bon bah apparemment on va sauver que les singes et les tortues. Ils ne tirent pas dessus, on est d'accord, hein? Vas-y, libère tes copains, allez, vas-y. C'est chelou. Hey, mes singes, tu es là! Ouais, en plus, ils me dev, mais grave! Par contre, j'ai bien perdu mon armure, je sais pas qui m'a enlevé autant, mais. Et si j'engage le combat, vous tirez? Non? J'avoue, la petite balle à l'arrière de la tête, ça pique. Qui c'est qui ose? Qui ose me tirer dessus? Y'a rien ici. Bon bah j'aurais vu, j'aurais vu. Sauvez-moi les copains! À la base, nous sommes tous des singes! C'est juste des racistes! Là, je sais pas si les guns font plus de dommages, mais avant, je one shot, je faisais pas du one shot. Hein.
récupérons les balles, rien de planqué. Moi, ça c'est pas moi qui les ai tués, qui c'est qui a tué les médecins? Ça s'ouvre pas, on est d'accord. Hein. Ouais, ok. Ah oui, waouh. That stuff really works. Alors, on a quand même l'impression d'être entré au parti communiste, hein. Oh! Ah tiens, d'ailleurs, j'ai pas essayé les autres armes, du coup. Comment? C'est toujours la même, la M16? En tout cas, ils font toujours les mêmes bruits. J'ai entendu tuer les femmes et les minorités en premier. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. D'ailleurs, faudra que je teste le taser. C'est vrai, j'ai jamais testé le taser. Viens ici, gamin! Ah! Ok, il se recharge, donc j'ai plus ou moins limité. Ça, c'est bien. C'est que ça. Your firepower and sugar surge. Je sais pas si c'est de la bouffe ou pas, donc on va quand même attendre vraiment de s'en servir. Je sais pas si ça va être un truc qui va encore servir de drogue ou... Ah, c'est vrai que n'oubliez pas, ici on fume du crack pour reprendre de la vie. Oh, on voit mieux les culottes aussi. Oh, mais mes singes, mais... Ils sont toujours 4, hein, y en a aucun qui est mort. Hein. Ah, mais ils y vont, mais sans complexe, quand même. Oh, par contre, s'il y a un éléphant, ouais, moi, je vais me planquer, hein. Bienvenue! Ah non, ça tue pas beaucoup, par contre. Bon. Apparemment, on a peut-être un éléphant à buter. Est-ce qu'on irait pas à la grenade ou j'en sais rien? T'es tranquille? T'es gentil? Oh, oh non, t'es pas gentil. Oh, mon gars! Oh, mon gars! Ouais, ok. Eh ben, toi, reste là. C'est pas ce que je voulais faire au début, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Et du coup, mes singes, ils vont me suivre à l'extérieur de la ville? Moi, je suis preneur, hein. Oh, mon Dieu! J'ai pas retrouvé mon chien! Ils vont attaquer tout le monde ou quoi? Ah non, ils se barrent, ok. Une fois qu'on est sorti, ils se barrent. Eh ben, on va s'arrêter là avec mon armée de singes. C'était très sympa. Comme d'hab, ouais, je vais créer une nouvelle playlist. Donc, pour vous, ça changera pas grand-chose. Mais pour les retrouver, au moins, vous saurez. Pouce bleu, comme d'hab, commentaire. N'hésitez pas à en parler à droite, à gauche. Surtout que ça, c'est des jeux que très peu de gens ont dû voir. Faut dire ce qu'il y a. Surtout en France. Donc voilà, faites-vous un kiff. Pareil, les jeux, n'oubliez pas, ils doivent coûter... allez, franchement, j'ai dû acheter les deux pour 3€. Un truc comme ça, de temps en temps, vous avez des offres. Vous avez le 4 qui va bientôt sortir. N'hésitez pas à lâcher des commentaires aussi pour me dire ce que vous en pensez. Des bisous et on se retrouve à bien. Et ben voilà, le dernier mot. Oh, la barfouille sur le dernier mot. Et ben, merde. Voilà, des bisous.